OK, la gang. Alors, ce matin, on a essayé de jouer à la guerre des maths. Il y a plusieurs amis qui n'étaient pas capables parce qu'ils arrivaient à cette page-là. OK? Puis, quand je lui disais de cliquer sur le rectangle blanc, ça ne faisait rien. C'est parce que ton flash y est bloqué. Alors, je vais te montrer comment faire. Hein? Donc, tu dois être dans la barre où est-ce que l'adresse, où est-ce qu'il y a un petit casse-tête. OK? Puis, ça dit que flash a été bloqué. Fait que j'allais cliquer sur le casse-tête, puis là, je vais gérer ça. OK? Quand tu arrives ici, tout est blanc. Fait que tu vas juste aller ici où le petit switch, puis tu vas l'ouvrir où est-ce que ça dit « Demander d'abord ». OK, je vais aller cliquer là-dessus. Après ça, je peux le fermer. Et là, quand j'arrive ici, quand tu vas cliquer sur le rectangle, ah, là, ça va te demander une question. Ça va te dire « Est-ce que tu es d'accord que je mette flash sur cette page? » Et là, tu vas dire « J'autorise ». Et voilà, là, tu vas pouvoir jouer à la guerre des maths. OK? Une autre petite chose que je veux te montrer, qui est peut-être intéressante pour toi, c'est si tu veux avoir accès à la guerre des maths très rapidement, OK? Tu peux le mettre dans tes favoris. Donc, au bout de la ligne, il y a une petite étoile. Le moi est bleu parce qu'il est déjà dans mes favoris. Donc, je vais le supprimer pour te montrer. Il y a une petite étoile, OK? Tu peux aller cliquer sur l'étoile. Et là, ça va te dire, OK, je vais garder la guerre des maths dans mes favoris. Là, c'est toi qui décides où est-ce que tu peux le mettre. OK? Si tu choisis dans la barre de favoris, OK, ton guerre des maths va apparaître ici. OK? Tu vas le voir vite, vite, vite. OK? Oups, c'est un touchscreen, je m'excuse. Je reviens à la guerre des maths. OK? Par contre, tu peux aussi te créer un dossier. Alors, si je vais dans favoris, je peux aller dans ma barre de favoris puis me faire un dossier où je vais mettre tous les sites de la classe virtuelle. Fait que là, je peux cliquer « Choisir un autre dossier ». Je m'assure qu'il est dans la barre de favoris. Et puis là, je vais aller cliquer « Nouveau dossier ». Et puis là, je peux l'appeler, exemple, « Classe première V » pour « Virtuel », c'est notre classe. Donc, je vais enregistrer ça. Et là, dans ta barre, moi, tu ne le vois pas parce que j'ai beaucoup de choses, là. Il y a deux petites flèches au bout. Puis si j'allais... Oups! Excuse-moi. Si j'allais jusqu'au bout, tu verrais, là, quand j'ai ma classe. C'est parce que madame, elle a beaucoup de favoris. Puis tu vois, dans ma classe, là, j'ai mis la guerre des maths. Mais il y a moyen que tu mettes aussi ton favori dans ta barre de favoris. Ton dossier, c'est-à-dire. OK? Fait que là, je pourrais choisir de cliquer sur mon dossier puis d'aller le mettre. Oups, j'ai de la misère avec cet ordinateur-là. C'est pour mon ordinateur de d'habitude. Tu peux cliquer et aller le mettre. OK? Donc, deux choses pour pouvoir jouer au jeu puis pour pouvoir te rappeler de où est-ce qu'ils sont les jeux.